Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playrooms de l'épisode de Crossout, chers amis. Donc on va essayer de se faire un petit peu de véhicule pour une fois. Ça va nous changer, donc frame 4x4. Voyons voir la différence. Ça c'est tout petit, d'accord. Ça c'est un peu plus gros. Why not, hein. Juste pour tester les choses, hein. On est là pour tester les choses, chers amis. Hop. Crac. Normalement, ça peut ressembler à ça. Même normalement. Voilà. Ça ressemblerait plus à ça. Ok. Maintenant, il nous faudrait des roues. Des roues. Voilà. Steering wheel encore de ce côté-là. Parfait. Voilà. Ça, c'est bon. Jusque-là, on a une base qui me semble-t-il, est bonne. Maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme armement? Qu'est-ce qu'on a comme chose? Est-ce qu'on a un moteur déjà de base? Ce serait peut-être pas mal. On a un car jack. Engine, on en a pas. Movement. Hardware. Bah oui, hardware, ça peut être là-dedans. Juste allons voir dans le market, pardon. Si je mets engine. Ça marche mieux avec un moteur normalement. Powerful engine NK2, ça fait peut-être un petit peu cher l'engine quoi. Powerful engine. Energy drain. Barely decrease with. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est la même chose surtout? Very high speed. Low speed. Mass limit plus 3600. Ah d'accord, on peut avoir des gros trucs avec ça. Ah. Average speed, c'est pas mal ça, average speed. C'est très très bien. Hop, on va en acheter un. Storage. Voilà. Un moteur centralisé, c'est toujours une bonne chose, mais après je pense qu'on va pas... Notre énergie. Effectivement, il faut qu'on ajoute déjà une cabine. Hop. Ok. Parfait. Hop, j'essaie de le mettre comme il faut. Voilà. Est-ce que ça va être bien comme ça ou est-ce qu'il vaut mieux que je le mette là? Peut-être mieux que je le mette là. Un car jack serait peut-être pas mal aussi. Puisse se retourner en cas de nécessité. Au niveau de l'armement, on va y revenir un poil plus tard. Rear door, van window. Est-ce que c'est ce que je cherche ou pas? C'est potentiellement ce que je recherche. Cependant, j'aimerais faire ça mieux que ça. Hop, si je fais ça comme ça. Ah mince, c'est vrai, le W est mal placé. Faut que j'y pense. Hop. Non, j'aimerais juste récupérer cette pièce. Excuse-moi, tu peux me lâcher ça, s'il te plaît? Merci. Non, lâche-moi. Voilà, merci. Voilà.
Comme ça. Crac. Allez, viens par là. Ah non, c'est vrai, j'ai pas le droit. Ah oui, d'accord, ok, je commence à comprendre comment ça marche. Tiens. Ok. Hop. Crac. J'en ai pas d'autres dés comme ça. C'est pas plus mal. Sinon je les aurais spammés et ça aurait pas été... Enfin, j'en ai pas non plus des comme ça d'autres. Merde, j'ai pas enlevé ce que je voulais. Le générateur, rends-moi mon générateur. Crac. Donc, structure. Qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est pas une si mauvaise idée finalement. On peut pas en mettre une par-dessus, c'est bon à savoir. Ok. Hop. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Hop. Un toit sideboard, ça correspond à quoi exactement? Ok. Hop, autant le rendre solide. Hein. En tout cas, si on le peut. Il n'y a pas d'autre. Hop. Crac. Hop, les. Ça va être rigolo quand ça va s'ouvrir cette histoire. Ou alors je les mets plutôt là, les portes. C'est peut-être mieux. Effectivement. Hop. Il aurait fallu que je les mette par-dessus une... Ah mince, attendez, excusez-moi, une seconde, je réappuie. Ah non. Oh, c'est bizarre, parce que ça doit, pas... ça doit être minivan 2 ou un truc comme ça et... Ah non, Bill. Ça s'appelle comment ça? Minivan sideboard, voilà, c'est minivan et nous on a van. D'accord, ok. Why not, ça me dérange pas moi, pas plus que ça. Hop. Solidité. Hop. Bon là ça c'est moche aussi par contre, faut pas exagérer non plus. Est-ce qu'on peut se mettre un toit sur le van? Structure, il me semble que c'est ici. Van roof, voilà. Ok. Disons que c'est bon. Ah oui, c'est vrai. On ne peut rien mettre devant.
Hop. Hop. Ok, histoire de solidifier un maximum le truc. Ok. Et 7 d'énergie sur 10. Ça prend combien ça? 2. Merde, c'est con ça. C'est vraiment con, c'est vraiment con, c'est vraiment con. Niveau de... Est-ce qu'on va réussir à le mettre cette fois-ci? Oui, on l'a mis. Ok, on a un petit peu d'armement, mais vraiment très très peu. Non, j'avais dit que je vais changer le gameplay, autant le changer vraiment. Ce sera mieux. Ce qui nous laisse donc un total 2 d'énergie. Le même nombre de points qu'avant. Intéressant, ça prend le même nombre de points. D'accord, effectivement. Why not, hein? Plutôt comme ça. Voilà. Là, ça ne veut pas. Alors, est-ce que je peux placer de la structure devant? Non, pas du tout. Oula, non, ça c'est pas bon. Le misclic, alors je crois que le CTRL Z fonctionne. Hein. Ouais, voilà, c'est bien. Ça c'est très très bien d'y avoir pensé, les mecs. Et hop, ça c'est bon. Hop. Je l'avais il y a 2 secondes. Voilà. Et donc ici, normalement, je devrais être en mesure... Non? Non. Comment je vais réussir à la... faire pivoter celle-là? Oh là là! X fonctionne pas. Ah ouais, mais ces trucs là je peux rien mettre dessus je crois, non? C'est pas ça, y'a pas un truc comme ça? Bon, et c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Si je peux la placer dessus, ça me suffira moi. Parfait. Parfait, parfait. Ok, y'a une touche pour... d'accord. On va mettre quand même le truc qu'il faut sur le van. C'est censé faire des dégâts? Oui, non, 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 c'est bon. Ok. On va plutôt le mettre... Oh, on pourrait le mettre là-haut. Comme ça, vous le voyez tout le temps. Sympa. Ok. Il fait un peu plus de réputation, c'est rigolo. Why not? On a 48 pièces sur 55. La peinture, j'ai pas envie de les gaspiller pour l'instant. Hop les. Voilà. Est-ce qu'on peut gagner un petit peu en solidité une fois de plus? Là, ça gagne pas en solidité ce truc-là normalement. De mémoire. Hop, ça si. Crac. Au niveau des portes, je peux peut-être les mettre genre... Genre comme ça, non?
Hop. Le but c'est de gagner toujours en solidité, chers amis. Hein. Je précise à nouveau. Je l'ai mise devant ou derrière? Je l'avais mise derrière. Je vais la remettre devant et j'aimerais, si possible. Hop. La mettre comme l'autre. Voilà. J'avais Van Side aussi. C'est sympa. Hop. Plutôt que la porte. Crac. Hop. Voilà. Je peux pas le mettre là. Porte limite. C'est quoi? Véhicule sale. Ah oui d'accord, 55, on est bien à 55. Ok, on se fait un petit test drive pour aller voir ce que ça donne. Nous avons 1049 points de vie, nous avons 12 tirs avec le clic droit. Qui ne sont pas précis. Ok, ça l'est plus ou moins. Faut bien viser le plus bas possible. On va essayer, on va réessayer, chers amis, un petit peu, c'est l'inverse. Ça serait... Ah, faut viser plus bas plutôt que plus haut. Parce que le canon ajuste. D'accord. Imaginons je vise là. Voilà, ça touche. D'accord, intéressant. Boum, voilà. Crac. Raté. Hop, si on peut viser le pneu. Voilà. Crac. Bah c'est pas si mal. Même si on se rend compte que sans le canon on ne fait plus de dégâts du tout. Ce n'est pas si mal. Soyons honnêtes. Ok. Ok ok, why not. Why not, why not. Est-ce qu'on se retente, chers amis, d'aller dans cette partie là 1 minute 40. C'est un poil long. C'est un poil long, on va repartir dans une partie classique. On va bien voir si oui ou non c'est efficace comme robot, comme véhicule, pardon. Je vais y arriver. Et si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, on fera autrement. Hop. Crac, voilà. En tout cas, c'est sympa de pouvoir créer son propre véhicule. Vraiment, c'est stylé. C'est stylé, même si, oui, on n'a peut-être pas encore assez de pièces pour vraiment faire des choses intéressantes. Et bon, j'imagine que ça viendra tôt ou tard. Oula. Ça se joue à la capture. C'est-à-dire qu'on a Vitaly qui est tout seul sur la base bleue. Et voilà. Bon, à nous. Faisons le test de ce véhicule. Faisons le test de ce véhicule. J'espère qu'il est aussi bien que j'espère. Aussi bien que je pense l'avoir fait. On verra bien. Hop. On verra bien. Alors. En tout cas, c'est sympa de pouvoir faire son véhicule. Même si beaucoup trop de choses sont payantes. Je pense particulièrement au comment que ça s'appelle. D'accord, votre but c'était de me coincer, non? Raté. Dommage.
comment un personnage joueur. Enfin non, un joueur, pardon. Ok, on va essayer d'y aller à temps. Hop les. Hop. Il m'a enlevé des roues à l'avant, le sac. Dommage. Ah, je suis coincé. Hop. Je suis coincé. Bon. Fais chier. On a perdu. On a perdu. Y'a moyen de forfait au fait. Self-destruct. Allez, on pourrait. On pourrait. Oh là là. On va prendre tellement cher quand ils vont arriver. Mais non mais c'est bon, je suis mort, hein. Cherche pas l'ami. Tu te fais du mal. Boum. Hop, dommage. Bon, je dirais efficace, mais pas plus que ça. Effectivement, je pense qu'on a des pièces trop communes à l'heure actuelle pour pouvoir faire un vrai véhicule digne de ce nom en tant que deuxième véhicule. C'est donc une défaite qui nous attend, avec 0 kill, hein, si je ne me trompe pas, donc très très peu de points reçus. D'accord. Eh bien écoutez les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam. Attendez. On peut se refaire un truc. Par exemple, si je décide de me faire ça, ce serait peut-être pas mal. Attendez. Rent a workbench, oui si tu veux, bah du coup j'en prends un. Vas-y. Ok, vas-y. Et donc dans 2 heures il aura fait un truc, ok, why not. Eh bien écoutez les amis, on se retrouvera donc quand on aura terminé cette construction. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce, à la commenter, à la partager, vous abonner. Rejoignez le Steam joueur de la Playroom, dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yo, je le fais tellement vite.